un poisson. Et de faire du camping. Est-ce que tu es content, papa? Est-ce que tu es content, papa? Je dormais, moi. Je rêvais que j'étais en train de pêcher un énorme poisson. Et tu m'as réveillé juste au moment où il allait sortir de l'eau. C'est pas grave. J'ai dit que rêve. Papa, écoute, si nous partons bientôt, au lieu de rêver que tu pêches, tu vas pouvoir pêcher pour de vrai poisson dans un vrai de vrai lac. Mais il a raison. Oh, mais partons plus vite, mon petit papa. Allez. Est-ce que tu vas me regarder comme ça? Mais plus vite que ça! Allez! Moi! Oh, ma super canne à pêche! Grâce à toi, je pêcherai un énorme poisson! Papa, mais tu n'as pas besoin d'apporter tout ça. Mais oui, papa, parce que pendant que toi, tu vas pêcher ton gros poisson, moi, je vais faire un énorme château de sable. Comme celui-ci. Toi, papa, tu veux construire un château comme celui-ci? Oui. Avec du sable? Oui. Pourquoi tu ris? Attention! Attention, papa! Il y a au bout de cette super canne à pêche un hameçon très dangereux! Très piquant! Donne-la-moi tout de suite! Mais tu aurais pu te blesser, papa! Ou me blesser, moi! Regarde cet hameçon! S'il n'avait fait que toucher à notre canot, papa, il le crevait! Tu entends? Fini! Plus de canot! Mais non, papa. Il faut être un expert. Un expert pour manipuler une super canne à pêche comme celle-ci. Ah, oui. Mais oui, avoir de l'expérience. Savoir effectuer parfaitement le lancer. Comme ça, papa. Regarde.
le réparer, hein? Quelques petites pièces et de la colle et il sera comme neuf. Et puis, il prend beaucoup moins d'espace comme ça. C'est pratique, hein, papa? Oh, oh! Qu'est-ce que tu as mis dans cette valise, papa? Elle est terriblement pesante! Quelques petites choses au cas où. Au cas où quoi? Mais voyons, papa. Au cas où nous en aurions besoin. Bon, papa, hein? Nous sommes prêts. Dès que Pouet-Pouet sera arrivé, nous pourrons partir. Oh! Il devrait être là! Oh! Et s'il avait changé d'idée? Mais non, papa. C'était son idée de garder la caserne. Et puis, il est très content que tu lui permettes de repeindre les murs pendant que nous serons partis. Oh! Oh, regarde, papa. Il a déjà choisi les couleurs. Oh, oh non, je regrette déjà! Il s'est fait un épouvantable dégât. Fais-lui confiance. Oh. Et puis, notre petit chez-nous a grand besoin d'être rafraîchi. Oui, mais... Papa, oui? Si tu ne le laisses pas repeindre la caserne, Pouet-Pouet ne voudra plus rester pour la garder. Mais non, papa. Et alors? Quoi? Fini les vacances. Non! Si! Non! Non, 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 non! Et surtout, quoi? 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 Fini la pêche aux gros poissons. Tu as raison. Tu te mets sur tout ce qu'il veut. C'est moi, je suis là. J'ai changé d'idée. J'ai décidé de venir avec vous. Hein? Et oui, moi aussi, je veux dormir dans la grenouille et me baigner dans le lac avec mes papas de grenouilles. Et tu ne peux pas. Tu dois garder la caserne et tu es notre petit chino. Je ne veux plus. Je veux partir avec vous. Pouet-Pouet, c'était ton idée. Je sais, mais j'ai une meilleure idée. Voyons, Pouet-Pouet, c'est un très grand honneur pour un apprenti pompier comme toi d'être le chef pendant que nous sommes partis. Je ne veux pas être chef, hein. Je veux aller camper avec vous au camping du bonheur. Papa! Oui? Oui, oui. Toi, hein? Je te donne une minute pour raisonner ton petit frère. Je vais me calmer les nerfs. Et quand je reviendrai, je veux que ce soit réglé. Prends cette valise. Ça va pas. Il me prend. Il me prend. Il me prend. Oui, s'il te plaît, il faut trouver quelqu'un pour garder la caserne. Je veux venir avec vous. Je sais, Pouet-Pouet, mais il fallait penser avant. Maintenant, qui veux-tu que... Oncle Mimile! Mais oui, il suffit de téléphoner à l'oncle Mimile. C'est lui qui était le chef quand Pompon était petit. Il connaît très bien notre caserne. Et s'il ne veut pas? Pouet-Pouet. L'oncle Mimile, quand on lui demande très gentiment, il est incapable de dire non. Alors tu pourras venir nous rejoindre au camping du bonheur. C'est réglé. Ah oui. Oh oui, c'est réglé, papa. Oh, à la bonne heure, mon petit Pouet-Pouet. Sur mon cœur. Et maintenant, mon petit papa, en route, c'est un départ. Promets-moi que tu ne laisseras pas la caserne en surveillance. Oh, promis, Pompon. Et que tu ne feras pas de dégâts en peinturant notre petit chenou. Oh, promis. Tu es un bon petit, mon petit Pouet-Pouet. Bon petit. Hein?
Allons téléphoner à l'oncle Mimine. L'île des vacances, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, vive le soleil, les papillons et les abeilles, vive la chaleur et la beauté de fleurs. Avec ma canne et mon gros hameçon. Moi, je ferai un château de sable. Je dormirai à la belle étoile. Je rencontrerai de gentils pompignons. Et nous jouerons à des jeux rigolos. Chante, vive le soleil, les papillons et les abeilles. Ow! Vive la chaleur et la beauté des fleurs. Parce que j'ai un très grand service à te demander. Mm-hmm. Oh, tu aimerais que je vienne garder la caserne pendant que tu rejoins Pimpin et Pompon au camping du bonheur? Oh, bien sûr, mon petit poète-poète, avec plaisir. Tu me le demandes si gentiment. Comment pourrais-je refuser, hein? Je t'attends! Il me semble que nous sommes déjà passés par ici, mon petit papa. Ah oui? Ici. Regarde sur la carte. La carte? La carte. La quelle carte? La carte! Oh, la carte! La carte! Ah! Mais fais attention! Là! Là? C'est aussi?
Tantes Mimi, les pépés sont plus racontés. Oh, oh. C'est un grand chef pompier, mais quel mauvais conducteur. Va t'arrêter de me craper la vie avec cette carte, crevin. Salut. Allez, hop. Papa, tu entends? Oh! Des rires de Popignon! Oh! 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 Papa! Oh, wow! Voilà. Il faut leur venir en aide! Pompon et papa, pompiers de la caserne de Pimponville. Oh, bravo. À votre service. Si. Pouvons-nous vous aider? Oh oui, s'il vous plaît. Notre tour. Elle a eu bonbon. Oh. Elle a eu trop chaud. Elle a manqué d'eau. Oh. Vous en êtes sûr? Et si c'était le moteur? Attendez. Hein? Ah. Oh, 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 oui. Merci. Non. Voir, je vais la boucler. Oui, merci, c'est gentil. Finalement, vous avez raison. Oui, ce moteur est en pleine santé. Voulez-vous m'aider, les papillons? Cher Filippo, Filippetto, Filippetta et Filippa. Ah! Où allez-vous comme ça? Nous campons tout l'été. C'est vrai? Où ça? Au camping du bonheur. Hein? Au camping du bonheur? Merci, mon petit papa. Mais c'est là que nous allons, nous aussi. Alors suivez-nous, chers amis. Oh oui, oui. Oh, oh, oh. Papa, papa. Ici, allez, au camping du bonheur, papa. Ah!
mon petit pouet-pouet. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh, c'est un déguisement, hein? Comme ça, quand je serai arrivé au camping, Pompon ne pourra pas me reconnaître. Et moi, je pourrai m'amuser à lui jouer des tours. Mais tu ferais mieux de choisir un autre chapeau. Parce que moi, je t'ai tout de suite reconnu. Et c'est plutôt le mien. Comme ça, c'est mieux? Très bien. Mais prends aussi mes jumelles. D'accord. Et mon appareil photo. Tiens. Merci. Comme ça, tu pourras dire que tu es venu observer les papillons et en profiter pour espionner Pompon. Bonne idée. En retour, j'ai un petit service à te demander. Si jamais tu vois un très beau papillon de toutes les couleurs, prends-le en photo et apporte-la-moi pour que je puisse faire un dessin. D'accord? D'accord, d'accord. Oncle Mémile, tu es très gentil, mais... maintenant, il faut que je parte. J'ai très hâte de me baigner avec mes papates de grenouille. Hé, pouette-pouette, sais-tu comment te rendre au camping du bonheur? Non! Mais t'en fais pas, mon petit pouette-pouette. Pépé, mon fidèle ami, va t'y conduire. Il connaît tous les chemins du monde et très bien celui du camping du bonheur. Pouette, pouette, je voulais te dire, Pépé est un très gentil poney, mais il déteste recevoir des ordres. Tu dois toujours être très gentil et poli avec lui. Sinon, il peut avoir très mauvais caractère. Compris? Oh oui, j'ai compris. Oh oui, une autre chose. Ne laisse rien traîner que Pépé puisse brouter. Il a très bon appétit et il peut manger n'importe quoi. Compris? Oui, oui, c'est compris. Oh, oncle Mémile, si Pompon téléphone, veux-tu imiter ma voix? Sinon, il va tout deviner et je ne pourrai pas lui jouer de tout. Ne t'en fais pas. Je suis un très bon imitateur. C'est parfait, oncle Mémile. Au revoir. Bonnes vacances. Je crois que nous allons passer de très belles vacances! Bienvenue à vous! Voici notre petit chez-nous. Ici, nous cuisinons fruits et légumes. Là? Nous fabriquons nos costumes. Et là, nous nous entraînons avec nos pompinots. Et nous donnons de petits spectacles rigolos. Est-ce qu'il y a du poisson dans votre lac? Du poisson? Un poisson. Un seul. Mais c'est un poisson énorme et magnifique. Le poisson de mon rêve. C'est un poisson très difficile à attraper. Moi, je réussirai. Mais papa, où t'es
vas comme ça? Chercher ma super canapé! Nous venons à peine d'arriver, là. Il faut s'installer. Pompon, tu dois te changer. Je suis tout mouillé. Non, mais... Tu as raison. Ouais, mais je la tête. Stop. Sur le dos de Pépé le poney. Moi aussi, je m'en viens camper. Vous pensiez me laisser derrière, mais je ne me suis pas laissé faire. Parce que moi, pouette, pouette, je veux faire pompette avec mes papas de grenouille. Parce que moi, pouette, pouette, je suis un petit grippette, un joueur de tour et d'entourloupette. Moi aussi, je m'en viens, moi aussi, je m'en viens. Sur le dos de Pépé le poney. T'as vu, Popo? Il y a une table de pique-nique. Et aussi une corde à linge. Oh, regarde! Il y a tout ce qu'il faut pour faire des grillades. Et aussi des feux de camp. Oui, mais attention au feu. Parce que le feu, c'est dangereux. Mais bien sûr, le Pompidou. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Après tout, nous sommes des pompiers. Oui, et puis, regardez. Nous sommes très bien équipés. Hé, vous partez déjà? Oups, mon ventre commence à gargouiller, mon petit papa. Le mien aussi. Que dirais-tu si nous mangeons des grillades? Oh oui! Oui, oui, oui! Je m'en occupe! Va me ranger cette bande fontaine tout de suite! Oui! Où tu veux? Mais je ne veux plus m'enfarger dedans, c'est compris? Oui! Décharge la voiture! Défais les bagages! Et plus vite que ça! Oui! Ce cher camion que j'ai si souvent lavé. Cette chère caserne que j'ai tant aimée. Mais je comprends qu'ils veuillent repeindre les murs. Pimpin et Pompon doivent passer tout leur temps à réparer les vieux jouets et à rendre service à tout le monde. Mais moi, j'adore peindre et bricoler. Je sens que je vais m'amuser. Papa! Papa! Oh, que tu es beau, papillon! Que tu es beau! Ah, enfin te voilà! Es-tu sourd? Chut! Regarde! Oh, il est parti! Mais de quoi parles-tu? D'un papillon, papa! De toutes les couleurs! Il était là! Mais papa, ce n'est pas le moment de chasser le papillon! Viens manger! Le dîner est prêt! Aïe! Papa! Aïe! Je t'avais dit d'arranger. Mais elle est rangée. Pas ici, cornichon. Et roule-moi ton rayon. Je ne veux plus m'enfarger dans cette bande fontaine. C'est compris? Oui, je fais. Aïe! Aïe! Aïe!
que tu as fait. Oh, ce sont nos grillards. Vroom, vroom, mon petit papin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? Des grillades en conserve. Oh, là. Oh, mais tu as raison. C'est sûrement le plus beau papillon du monde. Oh, oh, il est merveilleux. Oh, oh, il fait chaud, il fait chaud. Et plus vite, Pépé. Allez, j'ai hâte d'arriver au camping et faire plouf dans le lac avec mes papates de grenouilles. Allez, Pépé, m'entends-tu? J'ai dit plus vite. Tu dois toujours être très gentil et poli avec lui. Sinon, il peut avoir très mauvais caractère. Petit Pou, qu'est-ce que je vais me faire? Je suis plein de boue! Il sera le plus beau, mon chacha, mon château, le plus adorable des châteaux de sable. Avec ses tours et ses tourelles, ses pignons qui touchent le ciel, ses petits ponts, ses passerelles et ses créneaux de dentelle. Avec ses cheminées à tête de dragon, oh! Avec ses escaliers en colimaçon, avec ses fenêtres en arc-en-ciel et ses chambrettes et ses tunnels. Il sera le plus beau, mon chacha, mon château, le plus adorable des châteaux de sable. Même Pompon le dira quand il le verra. Le beau château que voilà. Ah ah, le cornichon que voilà. Voilà ce que je dirais. Mon pauvre petit papa, un château avec des tunnels et des pignons qui touchent au ciel, tu n'y arriveras jamais. Alors que moi, avec mon gros hameçon, je suis sûr d'attraper mon gros poisson. Et puis même, je peux même faire de petits roupillons, hein. Mais oui, si le poisson meurt, mes clochettes tinteront et je me réveillerai. C'est aussi simple que ça. Ah! Quoi? Quoi, il a mordu? Non, il a sauté. Oh, allez, mort, mon hameçon. Mort. Laisse-moi te pêcher. Sur le dos de Pépé, de Pépé le poney, moi aussi. Ah. Mais c'est ma barbe. Pépé, tu as mangé ma fausse barbe. Oh. Ne laisse rien traîner que Pépé puisse brouter. Il a très bon appétit et il peut manger n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pépé, s'il te plaît, cette fois, je te le demande très gentiment. Est-ce que tu pourrais marcher un peu plus vite? Laisse-moi seul. Je veux pêcher un gros poisson.
Papa, t'es pas seul, là. Il y a plein de moustiques avec toi. Je l'ai réparé juste pour toi, pour que tu puisses t'asseoir dedans et pêcher ton gros poisson au milieu du lac. Hein? Je crois que ça ira beaucoup mieux comme ça. Oh, comme c'est gentil, mon petit papa. Mais tu as raison, c'est une très belle surprise. Dans mes bras, mon petit papa. Tiens, il fait frisquet tout à coup. Oh, nous faisons un feu. Allô? Bon appétit! Oh, comme c'est gentil! Oh. Mon vent gargouillait, justement. Pardon? Le mien aussi. À demain! À demain! Vous viendrez m'aider à faire mon château de sable! Et excusez-moi de vous déranger, je suis un ami de papa et pompon. Et je me suis déguisé pour leur jouer un tour, mais j'ai perdu ma fausse barbe. Est-ce que vous pourriez m'aider à en trouver une autre? Nous n'avons pas de fausse barbe dans notre coffre de costume. Mais peut-être que cette barbe de blé d'Inde pourrait faire l'affaire. Nous pourrions t'en fabriquer une. Oui, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Je me présente. Mon nom est Pouette-Pouette. Enchantée, Pouette-Pouette. Je suis... Maman Philippa. Philippa. Papa Philippo. Philippetto. Et voici... Pépé le poney. Oncle Mimi, l'étonne nos amis. Il devrait être arrivé maintenant. Je suis pas tranquille tout à coup. Je n'arrête pas pour sa Pouette-Pouette. Quelque chose me dit qu'il est en train de faire un mauvais coup. Où vas-tu, papa? Je vais téléphoner à Pouette-Pouette. Non. Je vais lui dire que... bonne nuit, c'est ça. Non, laisse. Je vais lui téléphoner. Non, non, papa, je vais lui téléphoner, moi. Hein? C'est mon petit frère, à moi. Non, oui. Je suis votre chef. Je vais être sûr qu'il ne fait pas de dégâts. Toi, tu restes ici et tu surveilles le feu. Non, mais papa, c'est de l'ordre. Je n'aurais jamais dû lui dire que je voulais téléphoner à Pouette-Pouette. Voilà. Et si c'est l'oncle Mimi qui répond? Elle est parfaite, hein? Attention, voilà Pompon qui arrive. Bonjour! Ah, merci encore pour les maïs. Ils étaient délicieux. Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais je connais ce poney. Mais c'est Pépé. Le poney de l'oncle Mimil. Mais vous le connaissez? Bien sûr. Quand Mimil est en vacances, c'est nous qui le gardons. Nos enfants adorent l'équitation. Ah bon? Voilà le téléphone. Allez! Ah, le téléphone. C'est... Bon. C'est...
Vas-y. Oui, bon. Ils n'en croiront pas leurs yeux. Allô? Oui, allô, Popo. Non, non, ça va très, très bien. Oui, j'ai commencé à peinturer. Qu'est-ce que tu dis? Oh, non, pas le moindre petit dégât. C'est moi. Pouet-pouet. Popo est parti te téléphoner. C'est pas grave, oncle Mimi l'a promis d'imiter ma voix. Fiu! Oh, pouet-pouet, enfin tu es là! Attends. Oh, ta-ta-ta-ta! Dis-moi, pouet-pouet, pourquoi tu es déguisé comme ça? C'est parce que je veux jouer un tour à Pompon, hein. Tu lui diras que je m'appelle Monsieur Click et que je suis photographe. Et que je vais installer ma tente là, à côté. D'accord? D'accord? Monsieur Click, nous allons bien rire! Pompon, reviens! Tout est en ordre. J'ai parlé à Pouet-Pouet et il a dit qu'il n'a pas fait le moindre dégât. Bonjour, monsieur. Je te présente notre nouveau voisin. Oui, il s'appelle Monsieur... Click. Click, c'est ça. Oui, Monsieur Click. Oh, enchanté, Monsieur Click. Monsieur Click est photographe. Ah oui, oui. Il prend des tas de photos de papillons. Oui. Je les trouve avec mes jumelles et je les photographie avec mon appareil photo. Il paraît qu'il y en a de très bons par ici. Mais oui, nous en avons justement vu un aujourd'hui. Oui, oui, de toutes les couleurs. C'est vrai. C'est vrai. C'est sûrement celui que je cherche. Alors, vous êtes au bon endroit. Vous le verrez sûrement demain. Oh, merci, merci. Vous savez, moi, les papillons, je les... Excusez-moi. Je vais aller installer ma tente avant qu'il fasse noir. Oui, bon, j'ai vu. Oh, quelle belle nuit. Oh, entends-tu le hibou qui ulule, mon petit papa? 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 Aïe! Aïe! Mais pourquoi sors-tu nos sacs de couchage? Enfin, la nuit est tellement belle! Nous devrions dormir à la belle étoile, hein? Ce sera beaucoup plus amusant. Ah non! Nous serons beaucoup mieux dans notre roulotte, sur nos petits matelas. Et moi, je veux très bien dormir cette nuit. Oui, parce que demain, je me lève très tôt pour aller pêcher mon gros poisson. Ah, dans le canot que tu m'as si gentiment réparé. Je pense que M. Click a besoin d'aide pour monter sa tente. Oui, reste là. Je vais lui donner un petit coup de main. Aïe! Aïe! Attends, Pouet-Pouet, je vais t'aider. Toi! Ce n'est plus la peine.
Je ne veux pas dormir sous la tente. Je veux dormir dans la roulotte. Pouet-pouet, hein? Tu ne peux pas dormir dans la roulotte. Oui, je peux. Papa, j'ai eu une idée. Étoile filante. Oh, une autre. Mais c'est une nuit magique. Vite, papa, viens voir. Le ciel est plein d'étoiles filantes. Alors regarde bien. Dès que tu en verras une, fais un souhait. Si tu vois une étoile filante, est-ce que tu as fait? Fais-tu taire? C'est un secret. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Popo, c'est sûrement le hibou, hein, qui ulule. Qui ulule, papa? On dirait que quelqu'un vient d'entrer dans notre roulotte. On n'y va pas. Et si c'était une bête féroce? Hein? Un ours? Hein? Dans notre roulotte? Mais ne sois pas ridicule, papa. Après tout, tu as sans doute raison. Hein? Ce sera beaucoup plus amusant de dormir à la belle étoile. Ça a marché, petit pou. Nous allons dormir ici, dans la roulotte. Si l'ours ressortait de la roulotte pendant que nous dormons, s'il venait nous grignoter les orteils. Au-dessus de la porte. Si l'ours essaie de sortir, le filet lui tombera dessus. Bon, il sera pris au piège. Oh, tu as entendu, petit pou? Demain, nous sortirons par la fenêtre. Ah.
bientôt. Mon poisson. Oh, je l'ai perdu. Non, n'entre pas. Hein? Oh! Bon, on a installé un piège à ours au-dessus de la porte. Hein? Oh. Oh. Ah. Au secours! Je vais l'aider à se déprendre. Et toi, va vite chercher tes pattes de grenouille et va te baigner dans le petit lac. Tu en rêves depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Petit pou. Oh non, je vais garder ma barbe, c'est plus prudent. Petit lac, me voici! Ploum dans l'eau, ouette, ouette la grenouille. Ploum dans l'eau, ça débarbouille. Ploum dans l'eau, ouette, ouette la grenouille. Ploum dans l'eau, ça débarbouille. Flotte, flotte, petite barbotte. Flotte, flotte, ça ravigote. Dans l'eau, les manottes gigotent, gigotent. Dans l'eau, les manottes. Clapote, clapote, et plique, et floque, et plique, et floque. Quelle baignade rigolote. Plouf dans l'eau, ouette, ouette la grenouille. Plouf dans l'eau, ça débarbouille. T'es prêt? Oh, hey, monsieur Click, c'est bon, la baignade? Viens par là. Non, oui, mais... viens, on va aller de l'autre côté. Attention, fleur. T'as vu mon petit château, hein? Oh, oui. Oh, attends. Oh. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Hein? Je sais pas, Popo. Peut-être qu'il a vu un papillon, hein? Oh, le papillon. Oui. Oh. Pauvre papa, il n'arrive pas à commencer son château. Alors que moi, ah non, je sens que cette fois, je vais réussir. Bonjour, papa. Ah, bonjour. Le château qui s'appelle. Bonjour, papa. Oh, Philippetta, Philippetto, vous êtes venu m'aider à faire mon château sable? Oui. Oh, espèce de cornichon, vous m'avez dit que vous n'avez pas. Ça va, Popo? Ça va, Popo? Voilà! Ah, parfait, cette nouvelle barbe! Merci beaucoup! Attendez! Voici un pique-nique pour vous et les pompinots. Un pique-nique! Oh, quelle bonne idée! Vous êtes trop gentils! Merci! Je vous en prie! C'est vraiment très délicieux! vous n'avez pas faim, monsieur Pompon? Non, je n'ai pas faim, ce clic. Oh, Popo, ne sois pas triste. Tu finiras bien par l'attraper, ton gros poisson. Moi, ne m'adresse plus la parole. M'a rendu ridicule. Je déteste être ridicule. Je m'en vais au campement. Et tu vas voir, je vais le réparer, moi, ce canot. Et il flottera. Tu flotteras. Tu flotteras. Tu flotteras. Cette fois, ça y est, tu ne vas plus jamais te dégonfler.
Il sera le plus beau, notre chacha, notre château, le plus adorable des châteaux de sable. Même Pompon le dira quand il le verra. Oh! Le beau château que voilà. Tous les trois, nous le décorerons de petits cailloux brillants, brillants, de coquillages, de fleurs des champs, de foin séché et de drapeaux blancs, et tout autour de petits bateaux de papier que l'on fera voguer sur de petits bassins où flottent aussi des parasols, des serpentins et des banderoles. Il sera le plus beau, notre chacha, notre château, le plus adorable des châteaux de sable. Même Pompon le dira quand il le verra. Oh! Le beau château que voilà. Auriez-vous par hasard des pièces comme celle-ci pour réparer vos canaux? J'ai utilisé toutes les miennes. Il n'est toujours pas réparé. Il n'arriverait jamais à pêcher cet énorme poisson que j'ai vu en rêve et qui vit dans votre petit lac. Mais... Oui. Vous n'avez pas besoin de canot pour pêcher le gros poisson de notre petit lac, ni même de canne à pêche. Mais oui, j'ai besoin de... Ni même de canne à pêche? Mais non, c'est un poisson de rêve qui ne mord jamais aux hameçons. Il n'y a qu'une seule façon de l'attraper. Une seule? Et si vous y tenez absolument, nous vous dirons comment y arriver. Oui, je veux... Mais vous devez d'abord nous faire une petite promesse. Oui, oui, mais oui, bien sûr, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que c'est? Il est là. Alors? C'est promis. C'est promis. Promis, 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 promis. Mais vous êtes sûr que je réussirai? C'est votre rêve, Pompon. Il suffit d'y croire. Et de venir nous rejoindre demain matin au lever du soleil. Oui. Au bord de notre petit lac. Oh oui. Oh merci. Merci, 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 merci. Attention! Oh! Raté! Oh! Il est magnifique! Oh! 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 Bravo les Pompignons! Mais bravo mon petit papa! Non, je ne croyais pas du tout que j'y arriverais. Mais je dois avouer que c'est tout à fait réussi! Attendez! Je vais prendre une belle photo! Tu sais, Pompon, c'est grâce à Philippetou et Philippetin. Hein. Sans eux, je n'aurais jamais été capable. Hein? Oh! Je crois que c'est l'heure du spectacle. Oui. Viens, Pompon.
journée nous avons passée, hein, Pompon? Ah oui, ah oui. Ah, tu sais, mon petit papa, j'ai très hâte à demain. Oui, parce que je sens que je vais réussir demain. Je vais attraper mon gros poisson de rêve. Philippe et Philippa me l'ont promis. Oh, c'est vrai? Oui, ils vont m'aider au lever du soleil. Et je pourrai l'attraper sans mon canot. Et même sans ma super canne à pêche. Hein? Sans ta super canne à pêche? Mais papa, comment vas-tu? C'est un secret. C'est promis. Un ours est venu grogner près de mon campement et je pense qu'il serait très imprudent de dormir dans ma petite tente. Oui, oui, vous avez raison, bien sûr, oui. Thomas, laisse la place à M. Clé. Comme ça. Chez mon poisson. C'est épouvantable! Mais non, Pompon! Je t'assure, je la gueule! Oui, Pompon, il a imité la voix de Pouet-Pouet quand tu l'as appelé au téléphone. Il m'a même prêté son poney pour venir vous rejoindre, et son chapeau, ses jumelles et son appareil photo. Allez, coquin! Alors, vous vous êtes bien moqué de moi, hein? Petit répète, je vais vous apprendre, moi! T'as pas un gros poisson à aller pêcher ce matin? Mais oui! Ça ne marche pas. Soyez patient. Il faut y croire, Pompon. Oui. Gros poisson de mes rêves, laisse-moi t'attraper. Hein?
je le tiens, je le tiens. J'ai réussi, je le tiens. Enfin, mon gros poisson de rêve, tu as sauté dans mes bras. Mon gros poisson de rêve, dans mes bras, à moi. C'est l'heure de tenir votre promesse, Pompon. Oui, bien sûr. Allez, maintenant tu peux retourner d'où tu viens. Hein? Mais pourquoi as-tu fait ça, Pompon? Mais parce qu'il n'y a qu'un seul poisson de rêve au camping du bonheur. Hein? Et si je l'emporte avec moi, plus personne n'aura le bonheur de l'attraper. Oh. Bon. Un petit lac. Oui. Sans gros poisson de rêve, ce serait vraiment triste, non? Oh! Pompon! Oui? Tu es le meilleur pompon du monde! Non! Oui, bon, ça va, là. Ça va, ça suffit! Vous viendrez nous voir à Pimponville? Oh, ah, oui! C'est promis? C'est promis! Merci encore pour ces merveilleuses vacances. Nous ne vous oublierons jamais. Jamais! Au revoir et à bientôt! À bientôt! À bientôt! Papa! Hein? Allez, c'est toi! Papa! Au revoir! Chez nous! Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est Mimine qui a repeint notre petit chez nous! Oh! Mais c'est épouvantable! Pourquoi, papa? Eh bien, parce que Mimine est un très grand pompier! Mais quand il bricole, enfin, il est terriblement maladroit! Oh! Mais il a dû faire un épouvantable dégât! Quoi? Oncle Mimile, réveille-toi. Oncle Mimile. Oh, t'es revenu, mon petit poil. Oui. Tiens. Oh, Oncle Mimile, j'ai vu ton beau papillon, mais j'ai pas été capable de le prendre en photo. Ah, c'est pas grave. J'y arriverai un jour. Un peu de politesse, mon petit pompon. Et avant de dire quoi que ce soit... Regardez la surprise que je vous ai faite. Oh, les papillons! Que c'est beau! Que c'est beau! J'ai peint pour vous tous les plus beaux papillons de ma collection, sauf le papillon de toutes les couleurs. Mais j'ai gardé une place ici. Ah. Et le jour où je réussirai à le photographier, je promets de le dessiner ici. Oh, oui. Oh, Pépé, mon fidèle poney.
faisions une petite photo de famille. Je t'ai oublié. Oh, Oncle Mimile. Il est là. Il est là. Ah, le papillon. Fils, la photo. La photo. La photo. Papa, la photo. Allez. Attention. Attention. C'est le roi. Avec ma canne et mon gros hameçon. Moi, je ferai un château de sable. Je dormirai à la belle étoile. Je rencontrerai de gentils pompinots. Et nous jouerons à des jeux rigolos. Vive le soleil, les papillons et les abeilles. Au! Vive la chaleur et la beauté.